Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un combat de titans. Et vous voyez que ça commence plutôt mal pour moi dès le début. Doudrop face à Ronda Rousey. J'ai pris Ronda Rousey. Elles sont enfin disponibles, ou toutes les deux sur le jeu, grâce au pack, au DLC Clownery, où on a aussi les superstars masculines Dong the Clown, Rick Boogs, British Bulldog et Mr. T. Voilà, les 6 superstars. Et cette vidéo s'appellera sans doute Ronda Rousey est enfin sur 2K22. Elle a une note de 91 en termes de général. Doudrop à 82, si je dis pas de bêtises. Et elle est plutôt bien réalisée. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez pour Doudrop et pour Ronda Rousey. Il me semble d'ailleurs que Doudrop, c'est sa première apparition sur le jeu. Si je dis pas de bêtises, si j'en dis, bah, n'hésitez pas comme d'hab à me corriger. Après ce combat, logiquement, bah, vu la note, j'aurais peut-être dû prendre... J'aurais peut-être dû prendre Doudrop pour avoir un petit peu de, comment dire, difficulté. Voilà, avec quasiment 10 points d'écart. Ça aurait été mieux, mais je voulais jouer avec Ronda, voilà. J'aurais envie de jouer avec elle, du coup, bah. Je la choisis, mais attention, une note, c'est bien. Savoir jouer, c'est mieux. C'est plus compliqué. On va essayer de voir tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire encore une fois votre avis sur ce pack DLC. Moi, je trouve que c'est le plus... On va dire le mieux. Voilà, il y a vraiment ce qu'il faut, là où il faut, et ça c'est très très bien. Vous pouvez aussi laisser un petit like si vous voulez, proposer comme d'hab, hein, les combats des abonnés pour de futures vidéos. Généralement, je pioche les combats... Oh là ! Oh, bien joué ça ! Je pioche les combats dans quasiment toutes les vidéos. Hop là. C'est bien ça, hein. Regarde. Oh, par contre, ce qui manquerait, tu vois, dans les packs DLC... Moi je trouve, après il y a peut-être des cartes ma faction, tout ça, mais vu que je joue pas à ce mode de jeu, je peux pas vous dire. Oh, la descente du genou, incroyable. C'est qu'il manquerait peut-être des arènes, tu vois. Tu sais qu'on a eu NXT 2.0 à un moment, c'était très bien, parce que bah fallait la mettre, fallait les mettre à jour et tout. Il manque aussi pas mal de superstars, hein. Bon, on aura un dernier pack, avec Machine Gun Kelly et pas mal d'autres superstars. Elle aime bien faire ça, Ronda Rousey, j'ai remarqué, hein. Mais ça manque d'ajout d'arène ou des modifications, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bien d'avoir des superstars. Mais en date, c'est qu'ils ont prévu leur pack DLC avant que le jeu sorte. Et qu'importe ce qui peut arriver sur le jeu, ou IRL, hein, par rapport à ce qui se passe durant SmackDown, Raw ou NXT, eh bien, ils vont pas modifier ça. Voilà, ils ont leur DLC de préfet, et puis c'est tout. Oh là là, regardez-moi cette magnifique attaque spéciale. Ah ouais. Doudrop, pas Doudrop, Ronda Rousey, elle s'en occupe tranquille. Hein. D'ailleurs, je sais même plus qui elle affronte déjà, Ronda. Qu'est-ce qu'elle affronte à Money in the Bank? Je sais plus si c'est Carmella ou pas. Non, c'est Natalia. Natalia. Oh, j'ai failli faire le finisher. Oh bah là, Doudrop, franchement, elle vit pas forcément un bon moment. Elle le sait, tu vois. Elle sait très bien que là, elle va souffrir. Mais attention, attention, attention. Parce que son spécial arrive très très bientôt. Aïe, aïe. Jolie patate. Après, je pense que de toute façon, j'en ferai des vidéos avec Doudrop. On la fera attaquer. Je sais pas. On verra. Peut-être que c'est vous qui me proposerez des combats. Peut-être qu'on aura un petit Ronda Rousey et Doudrop en tag team Tornado, et on va les faire affronter quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Oh oui, j'avais vu. Ouais, après la jambe, je suis pas forcément sûr. Bien joué ça. Alors là, j'avoue, c'est pas mal. Pas mal du tout. Mais non. Tiens. Moi aussi, je sais faire. Hein. Regarde-toi les esquives. Hop là. Bah alors, on se relève ou on se relève pas? On est bien, on teste un petit peu les provocations. Ouais, bah force de provoquer. Et on finit par l'enchaînement. Du judo inversé, comme ça que j'appelle ça moi. Allez, vous le vouliez. Le finisher de Ronda Rousey. Attention, c'est parti. Oh, bah voilà. À force de le charger, bah Doudrop, elle l'a bien vu. Et nous aussi, on voit. Elle a voulu faire le sien. Et c'est une Ronda Rousey
par-dessus la troisième corde. Et malheureusement... De toute façon, Ronda Norman, ouais, elle peut pas... J'aime bien comme un rebond sur le ring en passant par la deuxième corde. Je trouve que c'est tout à fait ça. Elle a le même mouvement. Même mouvement. Wow. Mal à parler, moi. Mouvement. On articule en BO. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va la taper. Je veux dire, on va la taper pour, pourquoi pas, lui enlever la paralysie. Enfin, lui mettre la paralysie plutôt. Oh non, non. Ah, do drop. Bien joué. Mais putain, je lui manque un peu de respect, je trouve. Oh là là, ce contre de toute beauté. Vas-y, Ronda. Aïe. Tu peux le faire. Je te laisse pas faire, par contre. Oh, regarde, tu vois, voilà. Ah ouais. On laisse la chose, là. Par contre, c'est simplement un. Je le dis. Ne manque pas de respect à la championne, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Hop là. Le coup qu'il avait, le pic d'ailleurs. Hein. C'est le petit coup qu'elle pic avait. Ah, c'est pas possible. Toutes les attaques spéciales. Ah ouais, on a esquivé la sienne. Heureusement. Ah dommage. Dommage. Oh, ça fait mal ça. Oh, le powerbomb de toute beauté. On apprécie. Ah voyez, on est en train de dominer. Et on est toujours devant. Bon, compliqué de dire là qui est devant. Mais... Et heureusement. Heureusement que tout va bien. Ah mais c'est bon. À un moment donné là. Oh, je veux bien être gentil. Bien être gentil, mais il faut se calmer. Oh, oui, joli ça. Debout, Ronda. Allez. Ah oui. Là, on s'est fait soulever. Il n'y a pas d'autre terme. En plus, on peut rien faire. Allez, Ronda Rousey, par-dessus la troisième corde. Au moins, vous voyez un petit peu le moveset que peut avoir Doudrop. C'est une bonne chose, au final. Bien ça, voilà. C'est ça qu'on veut. Allez. Vas-y, Ronda. C'est le moment de faire le finisher, la soumission. Est-ce qu'on va réussir? Je pense que oui. Ah, malheureusement pour Doudrop, voilà. Là, elle a aucune chance. La soumission, c'est beaucoup trop puissant, surtout K22. Et surtout fait par Ronda Rousey. Alors là, moi, je vous le dis, ça fait très très mal. Et c'est une victoire à SummerSlam. Peut-être qu'on aura cet affrontement, hein. Ronda Rousey face à Doudrop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous croyez que c'est la fin? Eh bien non, parce que Ronda Rousey, elle... Ouais. Par contre, descend. Voilà. Ah oui, on a l'occasion de se battre. On en profite. Tiens. Ah mais oh. Ouais, je vais vous le faire, une Ronda Rousey un petit peu... Un petit peu heal. Pourquoi pas. Hop là. Le spécial. On l'a fini en beauté. Hein. Parfait, ça... Est-ce que son finisher serait peut-être différent? Ou ils lui font le même finisher à l'extérieur? Ouais, ils lui font le même, d'accord. Ah bah là, on l'a fait taper plutôt deux fois qu'une. Et voilà, le public est heureux, j'espère que vous aussi. Des bisous, et à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout, allez, salut.